structuralisme se vit au quotidien. Parce que à partir du moment où quelqu'un vous demande vous êtes d'où, c'est qu'il veut savoir si vous êtes de sa localité. Donc, le tribalisme se vit pour moi au quotidien. J'ai été victime du tribalisme. J'ai été victime du tribalisme à maintes reprises et je pense que c'est à la base quelque chose de traumatisant. J'étais dans un cadre d'un travail où j'étais, je peux dire, le plus qualifié. Mais lorsque j'ai donné mon nom pour qu'on m'enregistre, j'ai regardé le visage du directeur là, il était un peu bizarre. Il m'a demandé mon nom deux fois, il dit voilà mon nom. Il dit ah, je croyais que tu étais, il dit non. Voilà mon nom. Il n'a même pas fini d'écrire ce qu'il décrivait, il a fermé sa chemise, il a dit je vais te rappeler. Assemblée, lorsque je m'en vais pour faire ma carte d'identité, puisque quand j'arrivais là-bas, je n'avais que 17 ans. J'entre au palais de justice. J'entends comment tout le monde doit parler la même langue. Tout le monde parle boulou. Je vais au commissariat pour en finir. Tout le monde parle la même langue. Moi, j'ai compris que ce n'est pas normal ça. Vous vous rendez compte que quand vous entrez quelque part, on sait que c'est Bessala. Bessala, tous les bétis qui sont là vont dire, il y a quelqu'un d'autre qui va dire que c'est ton frère. Donc vous voyez que c'est une forme de tribalisme. En temps normal, je suis Camerounais et un Camerounais doit être Camerounais. Les gens se plaignent qu'ils sont victimes. Bon, moi, je me dis aussi parfois, ça dépend de la manière dont tu intègres la société. Quand tu intègres la société, tu prends tout le monde comme toi-même. Et le reste continue. Je ne suis pas complexé. Parfois, c'est quand tu es complexé que tu peux facilement ressentir. Les gens sont souvent refoulés à cause de leur ethnie, à cause de leur appartenance. Comment je vais appeler ça, à cause de leur croyance, à cause du fait que voilà, ils se soient retrouvés dans une ethnie, par exemple, je prendrais un axe comme peut-être l'ouest, le nord, le sud, juste parce qu'ils appartiennent à cette ethnie et que la personne qui est face à elle est une. Ou un comportement désobligeant, souvent. Donc, moi, je pense que c'est assez récurrent et j'en ai rencontré pas mal. Le peuple bamiléké, par exemple, chaque fois, il n'est pas difficile d'entendre que toi, tu es bamiléké. Il le ressort le plus souvent. Outside the example of the Akous and some Bororos, mostly they are mostly nomads, they live in the bushes. And each time they come to the markets, like on market days, the way, I mean, it's different. It's kind of different, and it's clear, it's evident that when you go, when you even get into government offices, you meet some people speaking in their dialect, and it makes somebody who is maybe from another village, maybe he's alone. He's going to feel sidelined. Nous sommes tous Camerounais. Partout, il n'y a pas le terrain de X ou Y où tu te trouves, d'après une fois le chef d'État avait dit. Partout où on se trouve, on doit se sentir chez nous, chez soi. J'ai grandi dans un endroit où on était, toutes les tribus, je peux dire, au moins sur 10 régions, on pouvait retrouver 8 régions. Aujourd'hui, on a le tribalisme qui est devenu ambiant, qui a pris plus d'ampleur qu'avant. Il y a presque la haine entre différentes communautés. La crise anglophone n'est que le prolongement de tous ces problèmes. Tous ces problèmes qui sont des problèmes quotidiens, qu'on vit au quotidien, le problème de la difficulté de se retrouver face à un compatriote d'origine anglophone et le côté communicationnel aussi qui ne suit pas, parce que parfois une partie refuse de fournir des efforts. Moi, je ne vais pas cacher, hein, surtout la partie francophone qui refuse souvent de fournir des efforts, de vouloir entendre la communauté anglophone. Souvent, on a l'impression qu'il dérange. The anglophone crisis was before I was born in Cameroon. It did not start today. And it is something that if the those leading us, I mean, the government in place, if they don't look for long-lasting solutions to this problem that has been existing ever since this country was a state,
then I don't think we are really going to move forward in development, which is what we need. Dans notre quartier, par exemple, on ressent qu'il y a beaucoup plus la population. Et directement pour le faire, il y a trop de population. La vie aussi devient un peu difficile. Surtout ici dans la zone estudiantine, il y a un fort impact, franchement. Il y a eu beaucoup de visages, de nouveaux visages, et surtout de cette zone-là. Si tu n'as pas, si tu ne peux pas accepter, augmenter peut-être de 5 000, 2 000, 3 000 sur le mois par rapport à ce que tu payais il y a 3, 4, 5 ans derrière, tu ne veux pas accepter, augmenter l'argent, tu te mets dehors. Vous allez remarquer que les agressions ont multiplié depuis que nos frères anglophones sont là. Peut-être pas parce que les gens sont sortis du nord-ouest ou du sud-ouest en ayant des idées à devenir agressés, mais parce que la vie est vraiment difficile. Ils n'ont pas un recadrage. Les filles se prostituent de part et d'autre et tout. Donc c'est un peu difficile quoi. Même déjà dans nos marchés, on sait que la plupart de la région du nord-ouest et du sud-ouest, c'est l'une des régions qui sur le plan économique produit beaucoup de choses, que ce soit dans le domaine de l'agriculture. On voit que dans nos marchés, il y a certains produits qui sont devenus plus chers parce que bon, ça n'arrive plus facilement ça ne quitte plus facilement de Bamenda pour arriver dans les grandes villes. Donc, c'est un impact négatif et en même temps positif. Parce que pour nous autres, les francophones, nous ne comprenons pas bien l'anglais. Et ça fait que vous avez devant vous un anglo-anglophone qui ne parle que anglais. Donc vous êtes obligé donc de vous débrouiller à lui expliquer vos services en anglais. Donc ce qui fait que eux aussi qui ne comprennent pas le français se retrouvent en train de se débrouiller en français. Même s'il arrive que je cautionne en donnant ne serait-ce qu'un savon là-bas, ça ne me dérange pas. Parce que nous sommes Camerounais. Le vivre ensemble, c'est le fait que mon voisin a. Et il me dit, est-ce que tu peux me prêter telle chose, ou bien je peux lui prêter telle chose. On s'échange. Moi, je vois que c'est encore une loi qu'on instaure nouvellement. Qu'on instaure nouvellement. Plus que quand tel dit, je suis tel autre Bassa. Oh, l'homme Bassa et un Bami, et l'homme Bami et l'homme Boulou, et l'homme Ewondo devaient vivre ensemble comme frères camerounais. Mais voici nos voisins, non. Mais on se collabore, non. On s'entend bien. Donc moi, quant à moi, nous sommes appelés à vivre ensemble, nous tous. We should practice vivre ensemble, not talk about vivre ensemble. C'est un problème de conditions. Ce n'est pas un problème de vivre ensemble. Et ces gens-là qui disent à tout moment vivre ensemble, on peut le vivre ensemble, c'est des conneries. Pour moi, j'appelle ça des conneries. Parce que on a un problème de manger. On mange ensemble. Si vous avez un pain, vous pouvez aussi savoir que votre voisin, même si vous ne lui donnez pas le même un pain, vous pouvez quand même lui couper un tout petit peu pour que lui aussi se sente concerné par ce même pain. Donc c'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas un problème de vivre ensemble. Je crois que la première des choses comme solution, les Camerounais doivent apprendre d'abord à accepter l'autre. Ouais, le jour où on n'a rien à faire, on s'assoit dans un bar pour boire une bière. Si l'autre renverse la bière de son ami, tu vas entendre, c'est pas parce qu'on vous chasse à Bamenda que vous allez venir faire des ordres ici. Oh, avant, si on renversait ta bière, on a renversé. Tu allais t'excuser, c'était terminé. Le pouvoir en place doit également essayer de mettre l'accent sur la création d'emplois. Parce que vraiment, la création d'emplois, quand il n'y a pas l'emploi, les gens essayent de donner l'emploi à ceux qui sont très proches d'eux parce qu'il n'y en a pas. Donc il faut créer des conditions d'emploi. Quand il y a l'emploi, les gens sont en joie et ils peuvent vivre ensemble. It is our responsibility to live as one, to love ourselves, to accept each other the way we are. Il faudra déjà dorénavant mener un plan d'action, c'est-à-dire qu'un plan d'action pour essayer de sensibiliser la communauté, toutes les communautés, essayer de leur faire comprendre que qu'on le veuille ou pas, nous venons tous d'un même ancêtre, forcément. Le deuxième plan d'action serait de commencer à inculquer ces mêmes valeurs-là pour sensibiliser les plus jeunes, parce que ce sont eux qui vont forcément essayer de changer la donne. Parce que je ne vais pas vous cacher que nous, de cette génération, des générations antérieures,
on est déjà un peu presque formaté. Mais d'après mon constat, les cours de morale ont disparu dans les écoles. Moi, j'ai grandi, on faisait les cours de morale à l'école primaire comme il se doit. On apprenait ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Mais mes voisins au quartier, eux, ils faisaient les écoles catholiques où on les faisait les catéchèses, sur ce qui est bien, sur ce qui n'est pas bien. C'est en train de disparaître dans les écoles, ce qui fait que nos petits frères qui viennent ne savent plus faire la différence entre le bien et le mal, c'est d'avoir leur intérêt. Alors pour moi, si on faisait revenir ces cours-là, sincèrement, au bas âge-là, cours de morale, cours de catéchèse, je pense que les mentalités allaient changer dans le bon sens. People with different cultures and different traditions in Cameroon, that's our blessing, the diversity. I think now it is time for us to go back to God. At one point in time, some people have said picking up arms and destroying, mettre le pays en sang et à feu, ça serait la solution. La preuve, ça n'a pas été la solution. Les gens sont morts, certains sont déplacés. Ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est Dieu. Dieu, c'est l'amour. Et l'amour, c'est la paix.